byanzambi. Benye Mungu wako nabo lazima ni baminifu mikono yake. Muntu muchanze cha nzambi, nzambi ujuwenze nende wansu mujimuvwa mwakwezi. Muntu kama yuko mikono ya Mungu, Mungu atafanya kile kenye atapenda kufanya. Il est le véritable chauffeur. Il nous conduit selon sa propre volonté. Yen je chauffeur wa kweli yeko na tumbulula kufata vya napenda. On n'a pas à lui enseigner. Si atuwezi kumufundisha yeye. Seigneur. Unaona. Toi tu ne pouvais pas me faire un pianiste. Tu allais me faire un vase. Wewe haukupasha kunifanya nianze kuimba sente. Ulipasha kunifanya nilikuwa napeleka maujumbe. Père. Baba. Tu ne pouvais pas me faire un prédicateur. Tu allais me faire un puissant prédicateur. Haukupasha kunifanya mhubiri. Ulipasha kunifanya kuwa mhubiri wa nguvu. Soyez tel que Dieu vous a fait. Wewe paka vile Mungu alikufanya. C'est à cela que Dieu vous bénira. Ni mukile ndio mwenye Mungu atakubariki. Amen. Le bois de gopher. Il est muti ya gopher. Un véritable croyant. Mwaminifu wa kweli. Il est flexible. Eko bupepelo. Il est vraiment tendre. Eko wa kujiachilia. Il est aussi, je peux ajouter, il est équilibré. Neza kusema ni muti mwenye na yua pale kuna shimamia. Il n'est pas un journaliste dans une église. Yeye ana journaliste mukanisa. Il attrape un frère dans un péché. Anabamba ndugu mukosa. Il n'a pas appliqué même ce que dit Noé. Aya tumikishe kile Noa anasema. Parce que Noé dit. Juu Noa anasema. Si tu vois ton frère dans l'erreur. Ukiona ndugu yako mukosa. Allez dire à quelqu'un d'autre. Wende mwambie mtu mwingine. Allô pasteur. Allô pasteur. Yo. Hey. Anuba tu babanda kumpala. Paka bale banapita kumbele bale. Kibanji muhe. Et vous amenez la suite sulfurique dans l'église. Na unaweka acide de mukanisa. Je vais vous lire une écriture qui dit que Dieu utilise les êtres humains pour sauver d'autres êtres humains. Tamisomea ndiko ndugu pana nasema Mungu anatumikishaka binadamu jua kwa binadamu wengine. Dieu peut utiliser seulement à l'air là. Mungu anaweza kutumikisha paka ile saa ile. Tu l'attrapes. Unamubamba. Il te demande pardon. Anakuomba msamaha. Et tu lui pardonnes. Na unamhurumia. Tu pries pour lui. Unamwombea. Et il reçoit un cœur repentant, il reçoit même le Saint-Esprit. Anapokea roho ya kutubu na roho mtakatifu naingia ndani yake. Mais toi qu'est-ce que tu fais? Wewe unafanya nini? Tu deviens une société de publicité. Weye unakuwa Facebook. Regarde. Mwone. Regarde. Ona. Regarde. Ona. Non mes amis. Apana rafiki zangu. Un point de coffer. Muti ya gofer. Quand il est attaché à l'autre. Wakati na mbatana mwingine. Il sort dans une symphonie. Beko mukimoja. Toi tu es un bois de coffer. Wewe uko muti ya gofer. Mais tu marches avec Lusanga. Uko natembe na Lusanga. Tu marches avec Lusanga. Uko natembea na Lusanga. Lujulu kuchubule. Na vile utaenda kuvunjika. Parce que toi tu n'es pas comme lui. Juu wewe hauna saa yeye. Lusanga ni kwambile ni. Lusanga itakwambia. Ah frère. Ah ndugu. Bile bintu tushako bichoka. Les choses là nous sommes déjà fatigués. Sommes déjà fatigués de ça. Tushako bichoka. Nous. Siye. Nous prions seulement pour que l'enlèvement me trouve même dans ma maison ici. Tuko naomba tu juu kunyakulwa ni kuja pa nyumba. Si il est même baptisé du Saint-Esprit. Na yeye kwa na uhakika kwamba yuko na Roho Mtakatifu. Maintenant comme toi tu es tendre et flexible, cette chose va t'entrer facilement. Vile wako loko bupepele huko mtu wa kusikia sana, kile kitu kitakuingia. Et nous allons commencer à voir un véritable bois de coffre. Na tutaona tu mtu ya kweli ya gofer. Qui commence à freiner sa marche. Anaanza kurudia nyuma. Non mes amis. Apana ndugu zangu. Tu as choisi le bois de gopher. Mungu alichagua mti ya gopher. Parce qu'il savait que. Jua alijua kusema. Il est tendre. Eko lwake upevelo. Il va supporter son frère. Atavumilia ndugu yake. Noé n'a pas corrigé Dieu. Noa ashikumukorije Mungu. Écoutez. Sikia. Oh, merci Seigneur. Oh, asante Bwana. Paragraphe 90, la même prédication. Mubeti makumi kenda paka mabiri moja moja. Le bois de gopher. Ile muti ya gopher. Qu'est-ce qu'il fait? Iko nafanya nini? Nous remarquons que. Tunaona kusema. C'est un bois qui absorbe l'humidité facilement. Ni muti yenyewe, mai kama naingia ndani yayo inabaki yaka amu. We mwambula chilomba lomu. Okay. Bago abo bajikabe bamanye muchi wa gofer gofer muchi luba muchi wa chilomba lomba.
Ah, ile muti agofer mutiluba ni ile banasema chilomba lomba. Wewe muti anga to muti kuhama. Wewe kikibeba tu na kitupa mumai. Kache enechi ji na mumai. Akita ingia mumai hapana. Chino mai to chichale chilele. Kitakunywa mai kinabaki na na ogerea yulu. C'est comme ça un chrétien. Ndio mu Kristo vile. Dans les combats. Dani a vite. On ne peut pas les vaincre. Aba wezi kumuweza. Il est toujours tête haute. Eko paka kichwa bwima. Hallelujah. Amen. Vraiment nous dit. Ndio banasema. Nous remarquons que tunaona kusema c'est un bois qui absorbe l'humidité facilement. Ni muti yenye inakuwa na meza mai kwa mwepesi. Ça absorbe l'humidité. Ilikuwa naingiza mai ndani yayo. Et maintenant? Na sasa. Jin et maintenant jin par. Sasa fa ngambo ngine. L'homme malléable dans les mains de Dieu Moutule mwenyeko bupepelo mikono ya Mungu pourrait être important pour qui? Anaweza kuwa mtu wa maana sana kumbele ya Mungu. Ou vous pourriez être important pour le diable. Au unaweza kuwa tena wa maana kwa shetani. Si vous ne tirez pas attention. Kama uangalishishe vizuri. Soit c'est le diable qui va entrer en toi. Soit c'est Dieu qui est. Un bois de gofer. Il est muti à gofer. On peut l'utiliser pour faire les tam-tam. On peut même l'utiliser pour brûler des maisons. Banaweza kumutumikisha juu ya kufanya ngoma. Banaweza kumutumikisha juu ya kuchoma manyumba. On peut l'utiliser même pour frapper les gens. Banaweza kumutumikisha juu ya kupiga bantu fimbo. Et si nous sommes des croyants. Na kama tuko baminifu. Nous sommes utiles pour Dieu. Tuko na maana au tuko bakutumikishwa na Mungu. Si nous dépendons de Dieu. Kama tunamwegamia Mungu. Nous sommes encore utiles au diable. Tuko tena bientoza kutumikishwa na shetani. Si nous dépendons du diable. Kama tunaegamia shetani. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi Dieu kwa maana. Frère Bana me dit. Nduko pala sema. Un chrétien c'est un créateur de l'atmosphère. Mu Kristo ni ule mwenye anaumbaka dalili. L'atmosphère qui est tout autour de vous, c'est ce qui peut manifester la véritable couleur que vous avez. Dalili yenye iko pembeni yako ndio itaonesha maumivu ya kweli uko nayo. Pas tout autour de nous. Apana kando kando yetu. Nos oreilles sont devenues des micros. Masikio yetu isha kubakia sa vile antenne ya Canal Plus. Nos bouches sont devenues des épées. Binywa yetu isha kubakia sa mipanga. Nos yeux sont devenus des flammes de feu. Macho yetu inakuwa ni moto. Vous regardez un bois de gofer. Unaangalia muti ya gofer. Bonjour frère. Jambo ndugu. Bonjour. Jambo. Comment ce jour? Habari gani? Tujibani kunulekele bintu wapi frère? Tusha kuacha bile bintu ndugu. Tujibanu tangijil. Tuko paka na miangalilia. Hawi karu ujumutu tangijil. Zambi ujumutu kuhungisha mwabeo. Kamba kutufushe mundo. Kama wangu na tuangalilia. Mungu mwenye tukusanisha hapa. Hata tupatisha haya pana. Nous avons arrêté nos travaux à 7h ici. Tuliacha makazi yetu isai. Ya deja en ville en train de vendre maintenant. Kuko batu mvile beko naingisha makuta hapa sasa. Non, je sais ce que je fais. Lakini mina jua kini nikuna mwanyi. Je sais celui à qui j'écris. Najua ule mwenye na amini. Je sais celui à qui je sais. Najua nina tumikia. Peu importe ce qui va arriver. Aizuru nini tafika. Je suis un homme. Niko mutu. Paul dit. Paul anasema. Le malheur atteint souvent le juste. Ole inashikaka paka mwenye haki. Mbakwambile le malheur atteint souvent le méchant. Banasema ole nagona shika paka muovu. Malheur adja mwa tukwa tete tubwa tujibangani. Ole itatushika juu. Tujibangani. Tuko benye haki. Lakini. Lakini. L'éternel le Dieu de Branham. Wamilele Mungu wa Branham. L'Elohim le fort. Elohim wa nguvu. Le tout puissant. Wa uwezo yote. Le puissant conquérant. Wa uwezo yote. C'est lui qui n'abandonne jamais. Ule mwenye achili yaki. Il ne nous abandonnera jamais. Hata tuachilia kamwe. Est-ce que quelqu'un dit alléluia? Eti mutu mwenye asema amina. Même si tu es malade. Hata kama uko mgonjwa. Tu es un bois de gofer. Uko muti ya gofer. En toi là. Ndani yako mule. Si tu n'allais pas tomber malade. Kama ukulukula. La tribu qui guérissait n'allait pas travailler. Kazi ya uponyaji angetumika. C'est pourquoi. Joko mani. Je vous ai toujours dit. Na miambiaka paka. Que ce qui parle, parle. Bale batasema, baseme. Et que Dieu leur donne beaucoup de l'énergie pour parler. Na Mungu abapatie makuta bauze kafe sana banze kusema sana.
C'est-à-dire bakunyo kungufu ya mingi. Ni kusaba kungufu ya mingi na énergie ya mingi. Dieu banze kusema sana. Amen, amen. Amen. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Chamba kwenza umpe kapi. Mishita fanyake le zambi ata. Akula. Sema. Akula bikola frère. Sema akula na nguvu. Wala la mika beba na megafon. Je suis en train de parler. Niko a une se... vie de quelqu'un ce matin. Na maisha ya mutu moja ya asubuhi. Chaque fois. Mara yote. Goliath sortait. Goliath alikuwa natoka. Il se mettait devant le camp d'Israël. Alikuwa na sema kumbela kambi Israel. Fou. Mwae. Si vous avez Dieu. Amenez-moi votre héros. Les enfants d'Israël. Israël. Il fuit. Et les Philistins. Na Philistins. Bana pika mikono. Où est votre héros? Banza kusema. Et Goliath se venge. Goliath alikuwa paka nasema. Laissez-moi vous dire. Acha nimeambia. Si cette affaire là continue à se venger, c'est Dieu qui a permis que ça continue à se venger. Kama Mungu anaruhusu Goliath endelea kusema, ni Mungu ndiye aliruhusu endelea kusema. Mais ces gens-là oublient. Lakini bale batu bali hesabu. Que derrière les déserts. Ya kama kumukongo ya jangwa. Il y avait un bois de coffer. Kulikuwa mti ya gofer. Que Dieu travaillait. Enye Mungu alikuwa kuna ichora. Derrière les déserts. Nyuma ya gofia. Il y avait un bois de coffer. Kulikuwa mti ya gofer. Qui sera manié. Enye itatumikishwa. Et David sort. Na Daudi anatoka. Il est regard. Anangalia. Mais celui-ci c'est qui? Uyu ni nani? Branham a dit. Branham anasema. Les injures de Goliath ont traversé les oreilles d'un homme wa. Matusi ya Goliath iliingia mu masikio ya mtu mpagaliwa. Bihendu bya mwane ni wabakaji bihitamwe ba match wele ni chingundulwile. Wakati beko na chambula dada yako wewe unabisikia unapiga na bikelekele. Wacha mu. Ufu bimbo. Anasikia, ataona. Mais quand David a écouté pour la première fois. Lakini wakati Daudi alisikia mara ya kwanza. Il est allé vers son frère. Ataenda kuona ndugu yake. Qui est cet homme? Ni nani huyu mtu? Qui se moque du peuple de Dieu? Nani yuko na chekelea taifa ya Mungu? Bien-aimé. Wapendwa. Quand la vie de mon frère n'avance pas. Wakati maisha ndugu yangu yenzi pele. Je vais dans la prière. Nitaenda magoti. Je dis à Dieu. Namwambia Mungu. Qui est cet homme? Ni nani huyu pepo? Qui ne fait pas que ma soeur, mon frère ne prospère pas. Et laissez-moi vous dire, dans cette étape-là, ça a un joke. Ferme ta bouche. Cet enfant, cet homme, il est guerrier dès sa naissance. Lusanga. Lululu amuni ni bobo bwa kukangisha. Atakia tu kupatisha boka. Lusang. Lujulu fika. Itafika tu pale. Il te regarde. Anakuangalia. Frère. Ndugu. Vous voulez aller faire quoi? Wataka kufanya nini? Le commerce. Wataka kuzisha. Avec combien? Na makuta ngapi? Ah. Makuta tu normal mbasi. Ndugu, hii makuta tu nakunya nayo bia pombe hii. Lusang. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. David se met à la bataille. Daudi anajingiza mufita. Ne jouez pas avec un bois de gofer avec l'onction au-dessus de lui. Apana kuchezea muti ya gofer na upako juu yake. Ce n'était pas David qui allait. Haikuwa Daudi alikuwa naenda. C'était l'onction qui était sur lui qui le poussait de faire ça. Ilikuwa ni upako yenyewe ilikuwa ndani yake ilimsukuma kufanya vile. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Na uache nikuambie kitu kimoja. David savait sa position. Daudi alijua penye anasimamia. David a dit. Daudi anasema mwanje kwele Goliath lusanzu. Anamwekea Goliath lusanzu. Wewe. Ujulo kumpa na kwanyi ni miele. Uko na kuya kumbele yangu na mipanga. Kajimem. Lakini mimi. Njindo kumpa na kwema. Niko na kuja kumbele yako. Mujine ya Yehova chendelele. Jina ya Yehova. Zambi wa Israel. Mungu wa Israel. Quand vous priez. Wakati unaomba. Il faut défier Goliath. Inabidi kumudefie Goliath. Toi Satan. Wa Shetani. Tu viens avec des agitations. Unakuya na matingi kuko. Mais moi. Lakini mimi. Je viens en vertu de la commission. Nakuja mwikisindikizo na
kazi. En vertu de la commission de l'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Et il est allé dans la bataille. Na, un véritable bois de coffer. Il s'approche. Oh mes frères et sœurs. Si on est de véritables bois de coffer, kama tuko miti ya goferi ya kweli, on connaît ce qu'on a. Tunajua kile tuko nakyo. David avait 5 pieds. Daudi alikuwa na majiwe 5. Frère Branham a dit. Tuko Branham anasema. 5 pieds étaient les 5 lettres du nom de Jésus-Christ. Majiwe 5 ilikuwa ni maherufi 5 ya jina ya Yesu. Et il a lancé. Akatupa. Goliath est tombé. Goliath akaanguka. David n'avait pas l'épée. Na Daudi akukua na mupanga. Pour couper la tête de Goliath. Dieu a kukata kichwa kya Goliath. Il a utilisé seulement l'épée de Goliath. Alitumikisha paka muti ya ile mupanga Goliath. Ce soir. Hii mangaripi. Toi tu n'as pas l'épée. Wewe una na mupanga. Ce soir, tu as le nom de Jésus-Christ. Mais pour couper la tête de cette affaire, amène seulement ces armures-là. Et les gens qui parlaient, ils ont changé de discours. Ataka ma Sauli aliua lakini Daudi anaua maelfu. Je me sens pour prophétiser pour quelqu'un. Nasikia ni tabiria mtu. Même si les gens ont beaucoup parlé. Hata kama watu wanasema sana. Mais que le Dieu d'Agapao Tabernacle. Lakini Mungu wa Agapao Tabernacle. Le Dieu de Kalenga Irisha. Mungu wa Kalenga Irisha. Qu'il prenne toujours les mêmes personnes. Abebe paka batu ma baba moya. Pour frayer une porte pour ta bénédiction. Tu afungule mlango tu ya paraka yako. Si tu crois. Cela se fasse au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, comme on a mis, le même docteur, ou le docteur moi, qui a dit que tu ne mettras jamais au monde, que ce soit le même docteur, qui va dire que tu seras moi mouillé. Alléluia. Amen. Le même voisin, qui peut critiquer beaucoup de temps. Laissez-moi vous dire, je te prêche aujourd'hui le Dieu de vengeance. Le Dieu qui change toujours les langages des gens. Parce que je peux m'imaginer les bois de coffer dans la forêt. D'autres bois disaient, tu as une cage. Toi, tu n'as pas le travail. On ne peut pas te considérer. Et Dieu le voyait tous corrompus. Dieu prend les choses ridicules pour les gens. Il les donne de la valeur. Qu'il te prenne ce soir. Qu'il te prenne ce soir. Seulement ton petit travail là. Tu es capable d'impacter les gens avec cela. Qu'il te prenne ce soir. Est-ce que quelqu'un dit ta main? Oui, c'est la vérité. Dans le message, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Zawadi ya Mungu inapataka paka fazi yayo. Paragraphe 82 81. Ubeti makumi munane na moja. Je me sens même pour terminer. Naanza kusikia hata nimalize. Oh merci Seigneur. Oh asante Bwana. Parce que je pressens que si quelqu'un va défier Satan, il ne sortira pas de cette porte telle qu'il est entré. Juu naona kusema kama mtu anamudefier Satan hata toka vya lingia. Branham a dit. Branham anasema. Marie la mère de Jésus. Maria mama yake wa Yesu. Dans la ville de Nazareth. Ndani ya mji ya Nazareti. Écoutez. Sikia. Branham détaille la ville. Branham anaanza kufasiria vile mji ilikuwa. La ville de Nazareth était la ville la plus méchante du pays. Mji ya Nazareth ilikuwa ni mji yenye ilikuwa ya muovu sana ya nchi mzima. Dans la prédication la petite Bethléem, Branham dit c'était la ville la plus ridicule, la plus sale. Branham anasema mpeti Bethléem kusema ilikuwa ni mji yenye banazarau ya buchafu. Mais lakini de là mule où wapi là où il y a la méchanceté mule mwenye kwa maovu mule là où il n'y a pas la grâce mule mwenye amuna neema mule de là mule Dieu a choisi une petite dame pour donner naissance à son fils. Mungu alichagua mwanamke moja azale mtoto yake. Une incubatrice. Kintu tu kia kuchunga mtoto mutumbo. Au sein qu'il devait
par lesquels un bébé devrait naître. Kupitia yeye mtoto alipasha kuzalika. De là. Mule. Seulement là où on te dit qu'il y a la crise là. Ni paka mule banakuambia seme amuna kintu mule. Dieu est capable. Mungu iko na uwezo. Et la crise n'est pas mon problème. Na crise aina mambo yangu. Dans le dictionnaire de mon Dieu, il n'y a pas un mot appelé crise. Ndani ya kamusi ya Mungu yangu amuna ile tamu kumeneta crise aina mambo. Dans le dictionnaire de notre Dieu, il n'y a pas un mot appelé échoué. Na katika kamusi ya Mungu wangu hakuna jina bana tamko banaita kushindwa. Parce que si je vais échouer, kama mimi nashindwa, l'arche ne va pas se terminer. Na majengo ya safina itamalizika. Noé aura de manquements de matériaux. Noah atakosa mbao ya kujenga nayo. Il sera un faux ingénieur. Atakuwa ingénieur wa bongo. Dieu lui demandera. Mungu atamuliza. Mais ici l'eau est en train de suinter. Hapa maji iko navuya namna gani? Parce que je n'ai pas eu un bois à mettre. Ni juu nilikosa muti ya kuweka pale. C'est pourquoi? Njoo kwa maana. Le Dieu qui t'a appelé au message, il connaît même la place à te mettre. Mungu mwenyewe alikuita mjumbe anajua nafasi ya kukuweka. Lekele kulubaka na to. Acha kuhangaika. Kulubaka nyito. Acha kuwayawaya. Kale wewe ni mesweba matangila mu kumuchimuchamaka. Ubake tu kuna tazama tu msalaba. Ah? Amen. Bwa jukubi kila nzambi kumukenshi. Ukamukubi kila. Mungu asha kukuita mujumbe. Kamba kukui hata to. Na abata kufukuza. Kamukubi kila. Asha kukuita. Muntu chidi uje lankongu mujinzambi kwa imuanyi kwa sebishi. Mubiki. Mutu wa kujuliza uliza ni ule mwenye Mungu ayaita. Mejue tade jape. Mungu asha kukuita. Est-ce que tu avais déposé un CV au ciel pour qu'il t'appelle ici? Eti uliandika demande d'emploi seme ni natafuta kazi mu nyumba ya Mungu. Non. Hapana. Par sa grâce. Kwa neema yake. Il a laissé celui. Aliacha huyu. Il a regardé que anaangalia Agapao. Agapao dans la ville de Lubumbashi. Umuja Lubumbashi. Il sera flexible. Atakuwa bupepelo. Malléable. Atakuwa mtu mwenyeweza kutumikisha. Tendre. Mtu wa kujiachilia. Et vous ne vous en faites pas. Na wewe usihangaike. Soyez calme. Ukwe tu kimya. Gardez silence et voyez la délivrance de l'Éternel. Ubakie kimya na muone ukombozi wa milele. Seulement là-bas. Paka mule. Dieu a choisi. Mungu alichagua. Et Branham explique là. Na Branham anafasiria pale. Maria, elle était parmi la fille déconsidérée de la ville. Alikuwa katikati ya banamuke bale benyewe abakwake na heshimia mumuji. Mais Dieu les choisit. Lakini Mungu anamchagua. La première grâce que tu peux remercier Dieu, c'est le choix de Dieu sur toi. Neema ya kwanza utashukuru nao Mungu ni vile alikuchagua. La première grâce. Neema ya kwanza. Parce que quand je vous parle, juu wakati niko nasema, il y a ceux-là kuko bale qui nous dépassent de valeur. Benyeba na tupita kubei. Qui n'ont jamais écouté ces choses. Benyeba yasikiaka ujume. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio kwa Biblia nasema. A vous qui craignez mon nom. Mweba le kogopa jina yangu. Le soleil de la justice. Il est jua ya wati. Se levera. Italamuka. Faites l'expérience. Uangalishishi. Anumutu je balo atishichi sabata cha chiko nyangalema. Ni chibu oji cha 3000 francs. Wakati unavala tu kilato kiyako kia malumantona na kibudi kiyako kia. Mungu tangila mungu wame kibaji ni makutapu. Pourquoi nous vivons sous? Wakati mtu na kuangalia nasema aba nchobeko na makutapu. Jua nini? Dans la main de Dieu. Tuko naishi mikono ya Mungu. C'est pourquoi quand je vous regarde tous, Branham a dit, Branham a sema, Dieu ne nous fait pas des gens terre-à-terre. Mungu akutufa tukwe bantu ba chini chini. Il nous faut des gens ciel à ciel. Anatufa na bantu ba juu sana. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Najisikia wa kidini. Branham a dit, Branham a sema. Paragraphe 82.
Non, non, je termine ma pensée. Na malizia wazo yangu. Il a pris une telle personne. Ali beba mutu wa vile. Pour faire cela. Dieu ya kufanya vile. Maintenant écoutez. Sasa sikia. Dieu travaille. Mungu eko na tumika. Au travers des êtres humains. Kupitia binadamu. Pour. Dieu. Racheter. Kukomboa. Les êtres humains. Binadamu. Dites encore amen, j'ajoute. Sema amina naongeza. C'est lui qui est à ton côté là. Ule mwenye koku pembeni yako ule. Ne lui méprisez pas. Apana kumuzarao. Amen. Dieu peut le prendre. Mungu anaweza kumubeba. Pour te racheter. Dieu ya kukomboa wewe. Wewe wewe oui, trésor, tu anaweza la. Wewe trésor tani fami nini? Ce que tu vois, c'est trésor. Mais c'est lui qui a créé trésor. Qui ne connaît pas son projet avec trésor. Tu dis bon mon homme, tu n'auras pas tout à l'heure qu'on a cuit na chakula. Allô pasteur. Allô pasteur. Pêche coco. Unipatia. Mais vous quoi la biakuti? Ugu kengesh. Uhamoini injibwa de gofer muchanza cha Norway. Anasabu akusema eko muti ya gofer muti ya mukona agowe ya Norway. Si il est mes vide. Kama na kitu. Respecte lui il est un enfant de Dieu. Umweshimie ni mtoto wa Mungu. Dieu, Mungu, peut prendre un homme. Anaweza kubeba mutu. Je relis. Nasoma tena. Dieu travaille au travers des êtres humains. Mungu yako natumika ndani ya binadamu. Et les êtres humains c'est nous, n'est-ce pas? Na binadamu ni sie. Pour racheter. Dieu ya kukomboa. D'autres êtres humains. Binadamu bengine. Allons-y seulement dans le naturel. Tuwe sasa mkimwili. Ujumusomba ni nzala kachakujinda to bukaji bwile. Unaikala na njala kuanzia busubuhi mpaka na magharibi. Umwana anu frère na ivilu bwile. Una tundugu na ivila na ingi. Bien aimé bichi. Ah mpendo nje. Ah mwana tujibimi. Ah mwana ndugu wangu tuko bien. Kwani nashimu mujiji la. Au ku wele chance mumpai. Au kumambia hata kitu. $100. Atusha to maguta hivi $100. Udambele bantu bichi. Utamia watu nini? Ewo. Uyu. Kinzambi wangu. Njo Mungu wangu. Pige même en fumum pekat. Sasa, we mini kwa muzam. Chifumumani ni batuba yishap. Sikukwa na jua seba na ubiriak. Kualu muntu mu kwa bukume bajilol. Kuna kia mutu mwingine mwakata mangaribi. Kume baji chilol. Umanga kati ya mangaribi. Kwe lampandalal. Analilisha baragu. Mema kuitab. Mimi naitika. Njinge ndela hamoto bwa muntu wako. Niko natembea kumoto juu ya ule mutu. Kinzambi wangu. Njo Mungu wangu. Je me vois là encore, tu vois mon toit. Mina pika tirki, ni oule mon toul. Kizambi, yo mungu wangu. Mina si frère, mina. Meza, ndugu, meza. Mina. Meza. Wewe mubenga uji, irekonesa. Kama unagatala, nikusema unana shukurani. Si les gens qui étaient de l'autre côté ont dit. Notre précieux frère, si tu n'étais pas, kama ukukucha, nous ne serions pas, atunge kuwa hapa, qu'en est-il de toi? Asa bitakuwa je na mwe. Mais faites attention, lakini wangali shishi. C'est un Dieu à croire. Ilikuwa iko nguvu ya kuamini. Pas un Dieu à adorer. Et ni Mungu wa kuamini lakini parce que Branham a dit. Un véritable prophète ne se laissera jamais être adoré. Nabi anasema nabii wa kweli hata acha watu wa muabudu. Dieu l'a utilisé. Lakini Mungu alimtumikisha. Pour votre rachat. Dieu ya kumikomboa. Frère Branham a dit. Duku pala sema. Il peut vous prendre. Ataweza kukubeba. Travailler au travers de vous. Kukutumikisha.
terminer le reste. Mumalize ile na inaendelea. Pour racheter. Juu ya kukomboa bantu. Si le pasteur Richard n'était pas ici. Quand pasteur Richard angekuwa hapa. Et vous vos enfants. Na batoto yenu. Ndufu nushimine. Mulipasha kupotea. Ba reconnaissant bamba amen. Ba bantu ashukurani baseme amina. Parce que ça c'est toute une humanité. Ii ni bantu beko hapa. Toi. Oui. Tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Batote ya. Ok, Dieu lui bénisse abondamment. Amen. Amen. Branham a dit. Branham. Mais il y a une condition. Lakini kuko kanuni moja. Si vous lui consacrez complètement tout ce que vous êtes. Kama tu unamupati ya biote bile uko nabyo. C'est là où il y a les problèmes. Je parle peigné quoi mi fou pas il fâche. C'est là où Noé peut t'abandonner. Je parle Noé n'est pas kukwati. Si Noé te prend. Kama Noé nakubeba. Il veut t'utiliser. Anapenda kutumikisha. Et tu ne te consacres pas totalement à Noé. Na aujipeleki wewe wote kwa Noé. Il te laisse. Anakuacha. C'est pourquoi notre Dieu. Je kamana Mungu wetu. Lui ne manque pas de gofer à utiliser. Akosaki ba gofer ba kutumikisha. Ujumwa ngukwela mai. Anaweza kukupaga mafuta. Kaji ufile message exact. Unaanza kupeleka ujumbe inaenea. Ma utabiri inaenea. Kabuyu bwani. Kama ikukua mimi. Kabuyu bwani même. Kama mishi nako. Kuji. Kuji. Il te rejette. Anakutupa. Parce que tu n'es pas flexible. Tu n'es pas tendre. Frère Branham dit. Dieu veut quelqu'un. À qui il bénit beaucoup. Et l'homme fait que c'est rabaissé. Namutu vile Mungu na mubariki Dieu vile kuna jishusha. Amen. Dans les selles, il y a beaucoup de choses. Il peut vous donner un petit véhicule, vraiment. Partir à tout arrière et tout à Wendu tu es la maille. On a besoin que tu manges à maille balabal. Quand nous y zambi, nous sommes bouach. Quand nous moi, Mouzi, nous jouons. Qui t'a dit que vous galez une machine, vous galez une zambi? Moi, hier, nous sommes occupés à motoka, nous sommes à Mungu Ninan. Bah, comédien, bah, qu'on a. C'est pourquoi. Joko man. C'est lui qui est à ton côté. Ulego kupembeni yako. Aujourd'hui, il n'a pas de la valeur. Leo ana na bei. Mais demain. Lakini kesho. Dieu peut l'utiliser. Mungu anaweza kumutumikisha. Dieu peut le manier. Mungu anaweza kumutumikisha. Pour ta délivrance. Juu ya kufungula weye. Aimez lui. Umupende. Aimez lui. Umupende. Quand vous le regardez. Wakati na mwangalia. Priez pour lui. Umuombe. Parce que Noé n'a pas eu la distinction de séparer. Du Noa akukua na ile kutenganisha. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pourquoi le bois de gofer? Dieu nini muti a gofer? C'est parce que Dieu m'a élu. Ni Dieu Mungu alinichagua. A choisi. Alinichagua. Et na pour que Dieu arrive avec moi au niveau où il veut. Dieu Mungu anifikishe muki wangu ile nataka. Il faut que je m'abandonne totalement à lui. Inabidi nijiachilie kwake kabisa kabisa. Totalement. Kabisa kabisa. À ce qu'il dit. Ukile anasema. S'il veut me faire vraiment une fenêtre, je m'abandonne. Kama anapenda nikuwe dirisha, mimi najiachilie. S'il veut me faire vraiment une porte, je m'abandonne. Kama anapenda nikuwe mlango, najiachilie. S'il veut me faire quoi que ce soit. Kile kinyata penda nikuwe, je m'abandonne. Najiachilie. Vile Roho Mtakatifu ilimubamba mchungaji akuweke pafasi anakuweka wewe umtumikie paka Mungu. Kimwabudu mabene shebe zebishi. Njoo pale pengo na kuya mabaraka yako. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être béni ce matin? Amen. Nous devons nous abandonner complètement. Tu
tunapaswa kujiachilia kabisa kabisa kwa completement à ce qu'il dit. Kujiachilia kabisa mkile anasema. À sa propre volonté. Kwa mapenzi yake. À sa grâce souveraine. Neema yake. Seigneur, Bwana, tu m'as déjà appelé. Ulisha kuniita. Je suis là. Ni kwako. Fais de moi ce que tu veux. Unifanye kile unataka nikuwe. Et ce que vous n'avez pas encore découvert votre poste. Prie le Seigneur qu'il découvre votre poste. Kama hauyajua fasha kutumikia Mungu, uombe Mungu akuoneshe fasha utamtumikia. Des fois, mara, votre amen à haute voix là, c'est ça votre poste. Amina yako ya sauti ya nguvu za zingine ndio fasi yao kutumikia Mungu pale. Pendant que Branham prêche, wakati Branham alikuwa anahubiri, il prêche, anahubiri, il prêche, anahubiri. Frère Ben se lève là-bas. Dugu pana lamuka kule. Il commence à taper des vitrines. Anaanza kupiga kwa makalashi. C'est là où Dieu voyait Ben. Ndio pale Mungu alimuona Ben. Mais toi tu y es Ben. Wewe mwenye kwa Ben. Tu ne dis pas même amen à la parole. Au sema hata amina kwa Ben. Tosha jina ya Ben aina yako. Tosha jina ya Ben. Hapana kuingana paka na ordinateur. Sema amen. Peut-être tu y es Adjo. Zazengine. Amen. Amen. Peut-être huku za Jo. Zazengine huko loko ndugu za Jo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ma sœur, dad. Pendant que le diacre de William Branham a douté d'un témoignage des écureuils. Wakati mshu shemasi wa ndugu Branham ali katala au alishakia ushuhuda wa écureuil. Une sœur a crié. Dada moya anaamini. Atiro itachi. Amen. Atiro tunasema amen. Et Branham a dit. Na Branham sema. Oh, laissez-moi vous dire. Oh, attendez mes pieds. Votre amen peut changer l'onction derrière la chaise. Amen. Et alors, connaissez la compagnie ou pas que Dieu a mimbari. Amen. Branham a prêché. Branham a lukan a ubiri. Mais l'amen de Atiro. Lakini amen et Atiro a changé l'onction. Il compagnie ça ou pas. Branham a quitté. Branham a quitté. Il est entré dans les rangs de Elohim l'enfant. Et il a dit à Dieu White. Demande tout ce que tu fais. À cause de quoi? À cause d'un amen. Mais toi, sœur Florence, Dada Florence, tu ne dis pas amen. A usemi amin. Toche jine ile anda yako. Enlève le nom là, ce n'est pas ton nom. Peut-être tu es bijou. Ça c'est une jina ko ni bijou unaika Florence Seigneur ikuendelee. Votre amen. Amina yako. Peut te donner la délivrance ce soir. Inaweza kukufungula hii magharibi. Complètement consacré à toi. Unajitoa kabisa kwa Mungu. Mon pasteur parlait quand il était en Afrique du Sud là-bas. Pasteur alikuwa anasema wakati kwa Afrique du Sud. Il dit nous avons trouvé quelqu'un. Anasema tulipata mtu. La voix ne sort pas. Sauti haitoki. Mais lakini il a un appareil. Eko na eko na ici, dit, na kiombo beko na mweka hapa na fara. Et l'appareil interprète ce qu'il dit. Na kiombo ina tafsiri kile yako nasema. Pendant qu'il parlait ça. Wakati alikuwa anasema vile. Moi je lui dis. Mimi niko nasema il y a ceux-là qui ont de belles voix. Kuko bale beko na masauti ya mzuri. Mais pour chanter. Jutu ya kuimba. Pour chanter seulement. Jutu ya kuimba tu. Batanichek. On va se moquer de moi. Tout ce que tu as bantu ni tu kwenze. Kuchekelewa na bantu itakufanizia nini? Tu as une belle voix. Uko na sauti ya mzuri. Ah, frère Badji, le ubi mami mubi mingi hivi papa ana tafuta kutuonesha nini? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il ne sait pas que j'ai la toux. Asiyo si mimi na kikohozi. À condition que vous vous consacrez complètement à lui. Kanuni ni moja tu ni we ujitoe kwake. Sinon, kama na vile, vous serez un lusanga. Utakuwa muti ya lusanga. Vous voyez quelqu'un qui avait la joie du salut. On a na muti alikuwa na furaha ya wokovu. C'est comme si bana muchomeka mu congélateur. Inakuwa sasa bana mwangia maya glass. Comme bien aimé. Nije mupendo. Tujiba bicho. Tuna bichoka. Ngaboji mu maison de ton. Mina ngiyo maison de ton. Achaba akula. Tango balianza kubisema. Kimbi kumbani. Abifiki. Tout d'abord, wako ambiji ni mu maison de ton, batuba tule turuto tuwa franga ni. Mwenye alikuambia seme kule mule mu maison de ton bana kabule naka maguta inani. Haji nzambi wako ile malu akutu ishilao. C'est pour élever ta foi
et aller de l'avant dans la vie chrétienne. Wakati Mungu anasema mambo yako unapitia njoo inue imani yako na utembee mu Kikristo. Va de l'avant. Wende kumbele. Prends courage. Chukua udari. Tu es en train de te former. Mungu yuko na kutengeneza. Tu es en train de te façonner. Mungu yuko na kutengeneza. Parce qu'il connaît que tu anajua kusema un jour. Siku moja. Tu vas impacter le monde avec la parole. Utatingiza dunia na neno. Tu seras un véritable bois de coffre. Utakuwa mti ya gofere ya kweli. Quand Dieu dira. Wakati Mungu atasema. Va à gauche. Wende kushoto. Va à gauche. Unaenda kushoto. Quand il dira. Wakati atasema. Va à droite. Wende kulia. Tu iras à droite. Unaenda kume. Et tous les ciels. Na mbingu yote. Sera derrière toi. Itakuwa kumkongo yako. Parce que vous savez. Jumu na chua. Les gens qui obéissent à Dieu totalement. Tous les ciels est derrière eux. Bale ban tibeko na muti Mungu kabisa kabisa mbingu mujime ko mkongo yabo. Remarquez. Angali. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Ils ont obéi totalement. Bali ti kabisa kabisa. Frère Branham a dit. Tuko Branham asema. Avant qu'il n'entre dans le feu. Kabla boku ingia mu moto. Tu étais le premier. Mungu alikuwa wa kwanza. Si tu obéis totalement. Kama tu na ti kabisa kabisa. Avant que la maladie vienne. Kabla ya magonjwa L'ange a déjà pris contrôle de ça. Il ne vous abandonnera pas. Branham a dit, une mère peut abandonner son bébé. Mais Dieu, en aucun moment, il ne peut jamais vous abandonner. Même si tu es dans une situation et que tu sais que tu es dans votre poste de devoir, soyez courageux. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Chaque souffrance a un commencement. A une fin. Alléluia. Amen. Mettez-nous debout maintenant. Oh, merci Seigneur. Je vais lire les... ceci pendant que nous sommes debout. Dans le message et les conférences. Prêché le 28 février 60. Le 28 février 60. J'aime que nous lisons ensemble. Je vais prendre le milieu. Soyez un peu bref, mon frère. 28 février 60. Remontez un peu. J'aime que nous lisons ensemble. Allez-y. 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 Ok. Peu importe ce qui vous dérange. Est-ce que quelque chose te dérange ce soir? Soyez sincère. Parce que ce n'est pas à moi. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais je connais celui qui est plus que finger. Celui qui est plus que my gold, celui qui est plus que la banque congolaise, c'est Jésus-Christ. Celui qui est plus qu'un soin de ce Jésus-Christ. Peu importe ce qui vous dérange. Vous pourriez avoir le cancer. Vous pouvez être frappé d'une maladie du péché. Vous pouvez être possédé des démons. Peu importe ce que vous avez. Frère Branham dit, j'ai un message pour vous. Quel message? Je l'écris de toutes mes forces du haut de cette chair. Il y a un pardon pour vous. Amen. Il y a la grâce. Il y a la guérison. Il y a le pardon. Comme ça, je peux te pardonner. Alléluia. Il y a l'amour. Le Saint-Esprit lui-même. Toi qui avais la main à la joue. Il y a la joie. Toi qui avais des troubles.
Il y a la paix. Uko salama. Alléluia. Oh, alléluia. Vous diriez. Utasema. Pourquoi êtes-vous si enthousiasmé, frère Teji? Utasema namna gani huku akutangamuka hivi ndugu Branham? Il est écrit. Anasema. Si vos péchés sont comme des cramoisis. Kama mazambi yenu iko nyekuna. Je les rendrai blancs comme la neige. Nitaiweka maupe kama teluji. Venez et plaidons. Mukuje na tuomboleze. Ce soir. Hii mangaripi. Vous êtes un peuple sans péché. Uko taifa yenyewe na zambi. Et vous valez plus que le sang de Christ lui-même. Na muko na bei kupita damu ya Kristo yenyewe. Ta valeur. Bei yako. Et plus que la valeur du sang de Jésus. Inapita bei ya damu ya Yesu. Recevez la guérison. Upate uponyaji. Recevez le pardon. Upate msamaha. Recevez la joie. Upate furaha. Recevez la délivrance. Upate ufungulivu. Même si vous ne pouvez pas faire ces mouvements. Hata kama uko na uweza kufanya. Faites-les à partir de maintenant. Il y a la puissance de Dieu ici. Oui, c'est la vérité. Hier, aujourd'hui, jamais. Oh, merci Seigneur. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia, alléluia. Change pas. Jésus, si la guerrière, il guérit aujourd'hui, il guérira à jamais. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Oh Jésus. Aujourd'hui à jamais. Alléluia. Jamais. Oh oui, Jésus. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh oui, Jésus. Jésus ne change pas. Oh oui. Si la bénie est il bénit aujourd'hui. Il bénira à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Commencez déjà à prier. Hier aujourd'hui. Commencez à parler devant ton Père. Il est là. Parlez sans peur. Parlez sans crainte. Parlez étant reconnaissant dans votre position. Aujourd'hui à jamais. Jésus n'est changé. Oh hier aujourd'hui à jamais. Alléluia. Aujourd'hui à jamais, Jésus n'est changé. J'entends Alléluia. Aujourd'hui à jamais, Jésus. Aujourd'hui à jamais, jamais papa. Aujourd'hui à jamais, Jésus n'est changé. Il parlera à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Oh Jésus. Aujourd'hui à jamais.
oh, 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 oh. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Bye.
kalenga zambika na kupa na kwaye fumu yesu zambika na kupa na kwaye sebonye mukalenga wabakalenga zambika na kupa na kwaye fumu yesu zambika na kupa na kwaye yesu anyikichalu nyechejibwashi zambika na kupa na kwaye fumu yesu zambika na kupa na kwaye grande prière. Notre grande prière. Maombi yetu munene. Notre grande prière. Maombi yetu ya kubwa. C'est que Dieu fasse de nous de bois de gopher. Ni Mungu atufanye tukwele muti ya gopher. Que Dieu nous rende flexibles. Mungu atufanye tukwebu pepelo. Que Dieu nous rende tendres. C'est ça la prière quotidienne de tout chrétien. Même celui qui a déjà le Saint-Esprit. C'est ça sa prière. Seigneur, je vais être un véritable bois de gopher. Napenda kuwa muti ya gopher ya kweli. Un bois qui est malléable. Muti yenye banaweza kuitumikisha vile banapenda. Un bois qui accepte d'être tendu. Muti yenye banaikubalaka baikunje. Afin de lui donner la forme qui est dans la tête du concepteur. Ili bamupatie umbo yenye kuwa mukichwa ule mwenye iko namutengeneza. Et le concepteur. Na ule mwenye iko natengeneza. Celui qui a reçu la vision. Ule mwenye alipata ono. Celui qui a reçu le message. Ule alipata ujumbe. Celui qui connaît les dimensions ule de l'arche. Anajua matua ya ile safina. Celui qui connaît la longueur et la largeur de l'arche. Ule mwenye anajua burefu na bufupi ya safina. C'est William Branham. Ni William Branham. C'est le messager. Ni mujumbe. Celui à qui on a donné les dimensions de l'arche. Yenje wal muonesha bunene ya ile safina. Et chaque fois que le messager fait sortir un message dans sa bouche, ce message doit devenir le sujet de notre prière. Seigneur, je veux être ce que tu as dit là. Je veux être ce que tu as parlé là. Voilà le véritable bois de gopher. Ce n'est pas un bois qui est dur. Aina muti yenye kwa nguvu. C'est un bois qui est flexible. Ni muti yenye iko bupepelo. C'est un bois qui est facile à travailler. Ni muti yenye inaweza kuitumika na mwepesi. Un bois qui est facile à dire amen à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Muti yenye karibu kusema amen na kila neno natoka kinywa kya Mungu. Et cette bouche de Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur sorti de la bouche de William Branham. C'est William Branham qui est lui-même la bouche de Dieu. Qui reçoit de la part de Dieu la forme qui doit être donnée à l'église de Christ.
et qui rassemble les bois venus de plusieurs tribus mais ayant les mêmes caractéristiques. Oh Dieu, oh Mungu, que je sois un véritable bois de gopher. Voilà ma prière. Oh naombi yangu. Seigneur Dieu, tendre Père, Bwana Mungu, nous venons à toi, Seigneur, cet après-midi pour reconnaître qu'il ne s'agissait que de toi qui parlais ici. Seigneur, quand toi tu parles, même les cœurs les plus durs sont secoués. Quand toi tu parles, même les terrains les plus impénétrables sont pénétrés. Quand toi tu parles, les cœurs qui étaient en pierre deviennent en chair. Quand toi tu parles, le trône bouge et le trône se trouve dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que l'homme peut dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin? C'est pourquoi, Seigneur, en répétant la même phrase ce soir, nous disons, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant que tu nous prêchais ce soir? Et nous reconnaissons qu'il ne s'agissait pas d'un homme du haut de la chair. Il s'agissait de toi qui avais vu le besoin de cette église. Seigneur, ces sujets sur lesquels j'étais en train de méditer, et c'est sur là et par là que tu es venu faire la suite. Pendant que j'étais en train de méditer, c'est la preuve que tu me voyais. C'est la preuve que c'est toi le même qui parla à Nathanaël ce jour-là et qui lui dit, voici un juif dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Et quand Nathanaël se retourne en train de s'étonner pour dire, mais d'où m'as-tu connu, maître? Toi, tu lui réponds en disant, pendant que tu étais sous l'arbre, sous les figuiers, en train de méditer, en train de réfléchir, en train de penser aux affaires du Père, je t'ai vu. C'est la preuve que tu m'avais vu pendant que j'étais en train de méditer sur ces choses. Mais comme tu voulais les faire sortir à travers un autre vase, voilà, Seigneur, que ce soir tu les as fait sortir. Tout ce que nous pouvons te dire, c'est merci. Tout ce que nous pouvons te dire, c'est que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne, que l'honneur te revienne, que l'adoration te revienne au siècle des siècles et à jamais, parce que tu es le Dieu qui voit. Je peux dire comme Agar ce jour-là, lorsqu'elle était en train de se désespérer et qu'elle était assoiffée, l'enfant qu'elle portait assoiffé, Seigneur, toi tu as envoyé un ange du Seigneur et l'ange du Seigneur lui a dit, regarde à côté de toi et une source d'eau a jailli en plein désert. Agar pouvait se tenir et dire, je suis conscient et convaincu qu'il est Atta El Roy, le Dieu qui me voit et qui me connaît. Seigneur Jésus, je peux dire la même chose aussi ce soir pour dire Atta El Roy, tu es le Dieu qui voit Agapao au tabernacle et tu es le Dieu qui connaît Agapao au tabernacle. C'est pourquoi chaque fois que tu veux donner les produits médicaux, tu donnes toujours les produits médicaux appropriés à la maladie qui est en train de ronger. Merci beaucoup pour tout. Merci pour la parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour l'onction. Et merci pour ta puissance. Seigneur, nous te disons merci pour toutes choses. Et ce soir, étant arrivé à la fin de notre service, nous demandons que toi tu prennes les choses en main pour nous conduire, Seigneur, et nous donner maintenant la sagesse, l'onction et la puissance pour pouvoir orienter et guider ce peuple dans la bonne direction. Bénis-nous, Seigneur, et assiste-nous pour le reste et la suite des programmes.
a les noms terribles, les noms puissants, les noms glorieux, les noms les plus beaux à prononcer, les noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tout le monde dise Amen. Que le nom du Seigneur soit loué.